Salut les petits loups, c'est Bob de Pesso. Je vais essayer d'être rapide et bref. Nous nous retrouvons donc pour cette partie numéro 2 de World of Warcraft pour les nuls. Je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire le choix des clans, le choix du serveur, le choix de la race et l'explication un petit peu de tout ceci. Et j'aurai beaucoup d'autres choses à dire par la suite. Alors c'est parti, on y va. Nous allons donc faire le choix de notre serveur. Prenez un serveur JCJ de préférence. Et de préférence le mien, les petits loups. Comme ça, on pourra communiquer. Hein, si jamais il y a des abonnés qui veulent m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci, je leur répondrai volontiers. Vous avez sinon les serveurs normaux. Normal, il y a marqué. Et vous ne serez pas attaqué lors de vos quêtes par le clan adverse. Alors, on va prendre Archimonde. On va mettre OK. Ensuite, on va créer un nouveau personnage. J'ai pas mal de choses à vous expliquer. Donc, vous avez les clans que je vous ai parlé précédemment. Vous avez l'Alliance et la Horde. Donc, deux clans différents, l'Alliance et la Horde. Dans chaque clan, vous avez des races bien spécifiques avec des spécificités également dans les caractéristiques. On va prendre juste un exemple, le nain. Par exemple, si on regarde un petit peu de plus près, le nain a une spécificité. Il peut prendre une forme de pierre. Des effets des coups critiques améliorés, la résistance aux dégâts de givre, la recherche de fragments archéologiques. Alors ça c'est un métier, hein, je vous l'expliquerai par la suite. Nous avons également l'humain, polyvalence augmentée, bonus au gain de réputation. Bref, vous l'aurez compris, chaque race vraiment a une spécificité bien à elle, que cela soit dans la Horde ou l'Alliance. Vous avez également le choix du sexe, hein, bien entendu, heureusement. Hein. Vous avez féminin, masculin. Alors ensuite, la troisième chose, vous avez également, une fois que vous avez choisi votre race, alors nous allons choisir la naine, nous allons également avoir le choix de la classe. Alors vous avez guerrière, paladin, chasseresse, voleuse, prêtresse, chamane, mage, démoniste, moniale. Alors à chaque fois, c'est un petit skin différent, bien sûr, bah, heureusement. Et il faut savoir que chaque race ne peut pas faire forcément toutes les classes. Hein. Par exemple, si jamais je voulais faire une druidesse, ouais c'est ça, il faut que je choisisse une classe adaptée. On va mettre, non c'est même pas humain, c'est, je crois que c'est Draenei, non même pas, Worgen. Worgen peut faire la classe druidesse. Voilà, c'était un exemple. Alors on va prendre une fille, donc comme je l'ai dit, et une naine. Pourquoi les naines? Bah comme ça. Une naine en plus chasseresse. Alors, pourquoi chasseresse? Parce que c'est vraiment ma classe de prédilection. C'est la classe que je préfère. C'est les chasseurs. On va prendre une naine. Et on va choisir ensuite l'apparence. Vous avez donc la peau, le visage, la coiffure, la couleur de cheveux à sélectionner. Moi, ce que je vais faire pour la vidéo, c'est mettre un truc aléatoire. Alors, je vais couper parce que généralement, ça prend énormément de temps. Je vais essayer quand même de faire une naine relativement jolie. Toute mimi, ma petite naine. Alors c'est parti. J'ai donc trouvé au bout de 5 minutes, quand même en mode aléatoire, ma petite naine que je vais donner un nom super sympa. Je la trouve relativement mignonne comme tout, ma petite naine. Elle est petite, mais c'est pas grave, elle est toute petite. C'est ma petite naine à moi d'abord. Alors on va lui donner un petit nom, qu'est-ce qu'on va lui donner? Alicia. Alicia naine. Ah oui, mais si je mets un espace, cela ne va pas fonctionner. Alicia... Alicia... Alicia G. Allez, Alicia G. Voilà. Au moins, je suis sûr que ça marche. Voilà, donc ça, c'est ma naine. Et donc, nous allons entrer dans le monde de World of Warcraft. Alors, il faut savoir que lorsque vous faites une chasseresse, vous avez d'office un familier qui va vous aider dans vos quêtes. Car les chasseresses, les chasseurs sont aidés tout de suite par un familier. Hein, ce qui est vraiment très intéressant, vous le verrez par la suite. Alors moi ce que je vais faire une petite coupure et je vais vous montrer à chaque fois que en fait vous faites un personnage, ça vous explique un petit peu l'histoire de la race. Et pour chaque race que vous sélectionnez en personnage, vous avez une histoire bien différente. Alors c'est parti les petits loups. Un vent de changement souffle dans les robustes salles de Forgefer. Obsédés par les réalisations des titans, les nains ont extrait les registres mystiques de leur créateur des légendaires couloirs d'Ulduar. Au contact d'une de ces tablettes, le roi Mani Barbe de Bronze a contracté une terrible malédiction. Transformé en statue, il a fusionné avec le cœur même de Forgefer. Ajoutant à cette tragédie, la fille exilée de Mani, Moira,
est venue réclamer le trône de son père, pour elle et son fils du clan Sombrefer. Pour éviter une guerre civile, les nains ont créé le Conseil des Trois Marteaux, une coalition instable visant à partager le pouvoir équitablement entre les clans. L'instabilité politique gagne le royaume. Le grand cataclysme ravage les terres qui l'entourent. Et c'est de braves nains comme vous que dépend l'avenir de Forgefer. Nous arrivons donc dans le monde gigantesque de World of Warcraft. On peut s'apercevoir donc de la carte. Non, ça... On s'en fout. C'est vraiment immense. Hein. C'est juste gigantesque. Alors, ce n'est pas un monster bashing. C'est-à-dire que, à force de tuer des monstres, vous allez level up. Oui, ça se fait bien entendu à votre level. Mais il y a un moment, le meilleur des choix est à faire des quêtes. Hein. Pour trouver des quêtes, c'est un point d'exclamation qui se trouve sur certains PNJ comme celui-ci. Et il propose donc une quête avec plein de choses à dire. Et donc une récompense au bout. Alors c'est pas forcément toujours le cas. Là pour le coup, ça l'est. Oui chef, on va faire ça chef. Alors donc, je vais me mettre à pied d'œuvre. Nous avons donc sur la carte, c'est surligné donc en bleu, envahisseur Mashcroc tué 6. Alors c'est ce qu'on va faire. Comme je vous l'avais dit, donc j'ai mon familier qui est ici. Alors pour l'instant, on ne peut pas sélectionner donc son talent. On est vraiment au tout début, on n'a vraiment rien, on n'a même pas de sac. Et on va faire les choses bien. Pareil, une chose à savoir... les personnages dans les quêtes à tuer sont toujours surlignés. Par exemple là on peut s'apercevoir que l'envahisseur Mashcroc est surligné. Donc il faut le tuer, hein, c'est un vilain. Manen va s'occuper de lui en deux petites secondes. Alors vous avez des sorts donc en bas la barre d'action, hein, bien sûr. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul sort, donc en l'occurrence, le tir des arcanes. Et au fur et à mesure que nous allons prendre des levels, nous allons avoir énormément de sorts. Il va falloir les gérer, les appréhender et surtout les choisir. Car chaque sort peut être utile et il ne faut pas prendre n'importe quel sort. Et également, d'ailleurs, je m'abaisse pour ramasser le butin avec un clic droit de la souris. Et ce que je vais faire, c'est aller dans l'interface et fouille automatique. Il me reste donc plus que... un mob à tuer. J'ai fini donc ma quête. Et lorsque ma quête est finie, j'ai maintenant un point d'interrogation sur le PNJ. Je retourne voir donc ce PNJ. Voilà, il me donne ce qu'il proposait. Et il me redonne d'ailleurs une autre quête par la suite. Je mets accepter. Et dans ma bourse... Parce qu'on a des bourses, c'est comme un coffre hein, sur nous. Nous avons donc, voilà. Alors je fais un clic droit pour l'équiper, regardez bien. Ici, je n'avais pas, donc c'est quoi? C'est des mains, donc les mains se trouvent là. Je mets équiper. Ça me donne de l'armure en plus. On peut s'apercevoir ici, donc si jamais je fais ça. Non, je n'ai pas ça. Tac, voilà. J'ai l'armure qui est un petit peu baissée. Donc je remets donc les gants. Mon armure a augmenté. Donc je me prendrai moins de dégâts, à logique. J'ai un autre point d'exclamation qui s'est ouvert à moi. Étant donné que je viens de prendre une quête, j'ai gagné une réputation. Alors les réputations, c'est vraiment très important également. Vous le verrez par la suite.
Nous avons les réputations de plusieurs villes. Donc là, nous avons Darnassus, Exodar, Forgefer, Gineas. Là, en l'occurrence, c'est Forgefer. C'est l'endroit où je me trouve actuellement. Donc je vais accepter sa quête. Voilà, adieu alors. Prenez toujours les quêtes hein, en point d'exclamation et puis faites-les. Appuyez sur la touche M pour savoir donc les quêtes à quel endroit vous devez aller. Et on va se laisser ça. On va se laisser là. Et rendez-vous pour la partie numéro 3, les petits loups. Parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Voilà, c'était ma petite naine. Et je vais faire les quêtes et je vous expliquerai la suite des choses. Rendez-vous à la prochaine vidéo, les petits loups. J'ai level up, je suis niveau 2. Lorsque vous level up, hein, bien sûr, vos caractéristiques augmentent. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.